On est fin prêt à aller visiter Singapour. Singapour est situé sur l'équateur, fait qu'il fait vraiment chaud. Là, on est à l'air climatisé, fait que ça va bien. Sur Météo Média, on a une température de 31 avec un ressenti de 43. Qui va suivre? C'est nous! On s'attend à beaucoup, beaucoup de monde, puis ben, la Philpo aujourd'hui, elle a un rhume. C'est la deuxième journée de rhume. Fait que, on espère que ça va bien aller. J'aurais plus rester couché aujourd'hui. Chez Chanel, je pense qu'il y en a des pompiers en spécial. On est au Garden by the Bay. Puis, ça apparaît pas dans notre face, on est vraiment fatigués. Parce qu'on s'est juste couché à presque 3 heures hier. Ça nous a fait nous coucher à 3 heures du matin. Notre vol et notre transport. Fait que là, aujourd'hui, on souffre. En plus, il fait vraiment chaud. Mais c'est quand même beau. On a des espèces de structures d'arbres artificiels. Mais dans un jardin. Marco, il a pas voulu qu'on vienne. Non. Je suis trop gratteux. J'ai plus d'écu. Marco s'est trouvé une place pour boire du whisky. Mais soit pire, il est 3h l'après-midi. Bon, je viens de finir la dégustation de scotch et de cognac et de whisky. Puis
Val a fait des achats. En plus d'avoir fait notre visorum, on va s'être rempli d'alcool pour notre mois en Indonésie. Tout ça pour un gros 45$. C'est quoi que t'as acheté? J'ai acheté une bouteille de rhum et une bouteille de gin. Puis c'est dans le but de mixer ça avec les cocktails qu'on va prendre dans les restaurants. On va pouvoir les alcooliser nous-mêmes. Fait que c'est fini le sevrage? Ça a l'air, faut s'entraîner pour l'Australie.